place au journal télévisé le plus regardé de toutes les chaînes. Oui, bonsoir, ici Bo Arlan avec Rocky Crenshaw. Et voici tout de suite les nouvelles majeures. Grande nouvelle pour l'environnement. À Détroit, les premiers BS 25000 sont sortis enfin des chaînes. Rocky, c'est une voiture marchant au méthane qui fonctionne sans problème. On raconte des tas de choses là-dessus, Bo. Un sujet plus dramatique. Un autre sans domicile fixe a disparu des rues de notre ville. C'est le 12e en un mois. La police prétend qu'elle n'a aucun indice et craint qu'un tueur, qui est surnommé le tueur à la piqûre, ne veuille massacrer tous les SDF de la ville. Grande nouvelle pour Delta City. Aujourd'hui, la compagnie OCP a dévoilé ses plans pour utiliser sa technologie de pointe dans le projet qui va bientôt automatiser les infrastructures des transports publics pour la ville et sa banlieue. J'ai de grands espoirs pour notre Metronet, un super et prodigieux robot qui va fournir à cette ville toute l'énergie nécessaire et en plus pour un meilleur rapport et à moindre coût. Mais pourra-t-il programmer vos magnétos? Une page de publicité. Ils sont fatigués, ils sont séniles et ils ont leurs meilleures années derrière eux. Et si vous avez plus de 60 ans, est-ce que vous pouvez encore voter? N'oubliez pas de nous regarder demain et vous apprendrez la vérité. Une dernière minute. Un terroriste aurait pris des otages dans la maison de retraite du vieux quartier. Nous allons donc sur les lieux du drame retrouver notre correspondant Charles Coffey. Charles ? Oui, Rocky, je me trouve devant cet hospice. Et ça n'est pas bien réjouissant. Un policier tué, un blessé, et à l'intérieur, William Ray Morgan, dit le brûlé. Il s'agit d'un psychopathe violent qui s'est échappé de l'hôpital Henry Ford où il suivait un programme de réinsertion. Il retient à l'heure actuelle un groupe de pensionnaires complètement terrorisés. Sergent, il est monté avec tout un arsenal et toutes les portes sont barricadées. Il y a deux ou trois de ces hommes qui rêvent de se défouler sur nous. Dites-nous, sergent, que veut donc exactement ce monsieur Morgan? De l'argent, l'amnistie ou alors être interviewé par moi? Il faudrait bien que ce soit aussi simple. En fait, quand il a été arrêté il y a 5 ans par Robocop, il a été blessé gravement au visage au cours d'un accident qu'il avait lui-même provoqué. Il ne souhaite donc qu'une chose, c'est se venger. Non, il veut Robocop. Vous avez une minute pour envoyer ce robot de malheur. Ou je fais que sauter. Une troisième âge avec. Chose à dire? Non. Directive principale 1, servir le public. 2, protéger l'innocent. 3, faire respecter la loi. Écoute, voilà la situation. Besoin de moi? Compris. Dites-nous quelque chose. Le public a le droit de savoir. Tactique, placement de la charge. Explosif armé. Ramène-le, Murphy. Cible.
soir, Morgan. Ah, le robot. Tu veux me dire un mot? Non. Je veux juste te tuer. Main en l'air. Au nom de la loi, je t'arrête. Non, c'est trop tard pour ça, robot. Regarde donc ce que tu as fait. C'est toi qui m'as fait ça. Chaque fois que je t'éternue, je pense à toi. Et je ne veux plus penser à toi. Adieu. Cible. On profite de sa position. Choix de la force. La brutalité en face de tout. Force mortelle. Sénile. Mode arrestation. Mais de quel droit? Travaille à l'hôpital, Murphy. Merci, Madigan. J'ai encore passé mon examen de détective ce matin. Et je peux pas le jurer, mais je crois que j'ai réussi. Tant mieux. La police a besoin de bons détectives. Merci. Pagailleux, paresseux, sentimental, irrationnel, superstitieux, passionné. Le plus gros obstacle pour régner sur le monde efficacement a toujours été l'élément humain, évidemment. Ah oui, c'est exact. C'est on ne peut plus exact. Oui, j'ai essayé de convaincre ces fous furieux de MIT au congrès des futurologues, mais ce sont de vrais demeurés. Ils ont osé me parler d'éthique. Mais c'est tant mieux. Eh bien, ça ne se produira sûrement pas ici. On n'est pas à l'académie, on est seulement intéressé par le pognon. On se moque de la culture, on attaque et on encaisse. Après vous. Sophie. Oui, le vrai travail va commencer maintenant. Il va donc falloir oblitérer tout ce qui est spontané. Les neurobridés vont pouvoir réduire toutes les décisions à une merveilleuse utopie binaire, anémiée. Oui, non, blanc, noir, branché, débranché. Oui, non, blanc, noir. Je résume. C'est la perfection. Oui, mais et le cerveau humain? Le cerveau humain. C'est le désastre, ma pauvre fille. Mademoiselle, ce sera tout. Non. Je veux absolument savoir ce qu'une simple secrétaire pense de ma philosophie. Il y a quelque chose qui vous échappe? Cette utopie, comme vous dites, ça ressemble beaucoup à ce que voulait un dictateur comme Hitler. Ça va pas, non? Je n'ai pas envie de vivre comme ça. Comment ose-t-elle me comparer à Hitler? Ne l'écoutez pas, docteur. Ce n'est qu'une secrétaire. Je suis le patron. Je suis payé pour avoir un avis. Et je vous trouve génial. Hitler, elle n'était qu'un amateur. Comme vous savez, l'ECP va accueillir avec un infini plaisir la prochaine exposition du partage. Bien sûr, nous ne partageons pas, mais c'est une chance d'éliminer la concurrence. Chip, Copernic, Newton, Einstein, Disney, des génies qui avaient la possibilité de changer le monde. Ces mêmes possibilités se retrouvent avec un même éclat chez l'homme que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Mes chers collègues, le docteur Gray Malardo. C'est trop, quoique. Quand mon nouveau neuro-cerveau à interface cybernétique entrera en action, la vie telle que nous la connaissons se terminera. Alors qu'autrefois la ville employait des milliers de fonctionnaires, était victime de leurs desiderata, le neurocerveau, lui, ne se met jamais en grève, n'est jamais en congé de maladie, ne demande pas de pouce café. Imaginez
une ville. Où le système de transport, comme les corpuscules dans le sang, se déplace sans contrainte et rapidement. À partir de distribution d'un point central, on peut concevoir un système digestif qui sera capable d'orienter les vecteurs nourrissants vers des organes affamés, comme les écoles ou bien les hôpitaux, et où les forces de police identifieront et appréhenderont les criminels comme des anticorps attaquant un virus. C'est un tout nouveau monde, et si j'ai un rôle à y jouer, nous aurons la chance de pouvoir le visiter bientôt. Quel est le délai le plus court, à votre avis, qu'on puisse envisager pour avoir ce maître honnête ? Je voudrais bien mon dossier, s'il vous plaît. Ne touchez pas. Ça suffit, vous êtes renvoyé. T'es là. Bon, c'est idiot, Chip. C'est un accident, rien de plus. Quand espérez-vous être prêt? Mais nous sommes pratiquement prêts à démarrer. Il reste juste encore quelques petites modifications. Parfait. Quand Camsoft, Mega, Extel et tous les autres se présenteront à cette expo, je veux me tenir devant cette fenêtre et voir ma ville dirigée par le neurocerveau. Et ça peut faire mal. Qu'est-ce que tu viens encore faire dans ce poste de police? Il faut m'enfermer, monsieur Parks. Je suis un témoin très important. J'ai vu des gens piller une banque. Il y avait 5 ou 6 hommes. Et si vous refusez de me protéger... Non, pas question. Tu vas retourner au service des familles et tout de suite. Croyez-moi, s'il vous plaît, sergent, ne me renvoyez pas. Je déteste les gens là-bas. S'il vous plaît, laissez-moi ici. Je serai gentille. Oui, tu seras gentille. Tu mens sans arrêt. Tu t'es sauvé. Tu sais ce qu'il te faudrait, toi. C'est une superbe fessée. Allez, viens par là. Au secours! Au secours! Ça va pas, non? Veux-tu venir par là? Monsieur. De voir les résultats, j'ai plus que la moyenne. Je savais que ça avait marché, j'en étais certaine. Je serai un bon élément. Tu as su trouver qui j'étais. On a encore démoli une voiture, là. Puis il y a d'autres problèmes que je devrais connaître, non? Tous les systèmes sont fonctionnels. Bien, chaque problème me vaut un blâme du chef. Évitez de démolir ce gadget, s'il vous plaît. Tenez, regardez dans ça. Dites, c'est une petite merveille. C'est un des nouveaux intercepteurs. 0 à 100 en 4 secondes 2. Vitesse maximale, plus de 300. Liaison satellite constante, voyez. Différentes transformations qui coûtent plus que mon salaire annuel. Et si on allait faire un petit tour pour l'essayer? Comme on veut. Laissez-moi, il veut me ramener là-bas. Waouh, Robocop. Vous êtes mon héros. Quand je serai grande, moi, je veux être comme vous. Quand je serai grand, papa, je veux être comme toi. Allez, on n'a pas d'enfant ici, là. Ça va, Charlie, ça va, calme-toi. Personne ne te veut du mal. Comment tu t'appelles, ma grande? Gadget. Mais c'est sauvé du service des familles. Et elle va y retourner tout de suite. C'est un poste de police ici, et pas un orphelinat. Non, allez, viens. Je veux pas retourner là-bas, allez, non. Allez, avance. Pitié. Avance. Tu viens de penser à eux, n'est-ce pas? Des images, c'est tout ce qui me reste de mon passé. Je voudrais tellement me rappeler. Murphy, pourquoi tu ne dis pas à Nancy, à Jimmy, qui tu es? Non. Il vaut mieux qu'ils me croient mort. Non. Dites aux électriciens que je veux que le câble principal passe dans le sol ici. Entends, je me moque de ce que ça peut coûter si le neurocerveau est en fonction à temps pour cette grande expo.
Ah, on a encore un problème. Un problème? Quel problème? Non, c'est pas vrai. Ça fait combien jusqu'à présent, docteur? 12, non? La sélection est le seul moyen d'éliminer toute erreur. Mais docteur, s'il vous plaît, je ferai n'importe quoi pour progresser, mais ça devient un peu ridicule. Grotesque, Chip. En fait, l'interface entre la complexité de la prise de décision du cerveau humain et la puissance informatrice d'une intelligence artificielle est d'une extrême délicatesse. Vous savez ce que je souhaite. Et plus vite je l'aurai, plus vite vous aurez ce que vous souhaitez, vous aussi. Au travail. Mais regardez, il y a le petit mec qui essaie de le sauver. Hey, il rêve ou quoi? Oh, t'es pas sympa, papa. Essaye de compliquer les choses. Pitié, pitié, je vous ai rien fait. Je vous ennuyais pas. Vous pouvez pas me faire ça! C'est des pauvres débiles comme toi qu'on peut plus supporter. T'as pas encore compris ça? On veut pouvoir vivre tranquille dans le quartier. J'ai rien du tout à part les vêtements que je porte. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il est bien évident que vous n'avez jamais vraiment utilisé votre cerveau à son paroxysme. Non. Alors autant l'utiliser pour autre chose. Il m'a l'air un peu raide, le vieux. Allons, on n'est pas là pour s'amuser. Il ne vaut rien pour le CP s'il n'est pas intact. Mettez-le dans le coffre. Dehors et que le monde les ignore, il y a une pension qui les accueillera le mieux du monde, où peu importe le sexe, la race ou la couleur de leur peau. Apportez votre contribution pour les sauver et n'oubliez pas d'aimer les enfants. Est-ce que le tueur à la piqûre a fait une autre victime? La police craint que la disparition d'Henry Aaron Winkler ne débouche sur une autre affaire de meurtre comparable à celle que tout le monde attribue à cet assassin. Écoutons ce que Monsieur le maire a à nous dire. La police m'a garanti formellement que les rumeurs concernant un tueur fou n'étaient pas fondées. On n'a pas trouvé de corps, aucun témoin ne s'est présenté. Et je crois sincèrement que nous devons considérer le style de vie des victimes comme étant une probable raison de ces problèmes. J'ai vu le vieux Henri faire des parties d'échecs au coin de la rue tous les jours depuis 5 ans. Mais moi aussi, je le connaissais. Mais qu'est-ce que tu veux? Il est porté disparu depuis 24 heures et la criminelle n'a mis personne sur l'affaire. Ses amis disent que la dernière fois qu'ils l'ont vu, il est allé au refuge. Et pour y aller, il fallait absolument qu'il passe par la fabrique. Écoute, quand tu seras nommé détective, tous les inspecteurs de la criminelle pourront partir en retraite. Mais d'ici là, il existe un détail qu'on appelle la voie officielle. Oh, s'il te plaît. Tu sais très bien que si la victime avait été un des membres de l'OCP, toute la police se serait mise sur le coup. Mais comme le vieux Hank ne paie pas d'impôts, alors tout le monde s'en fiche. Il ne faut jamais prendre parti. Tout ce que je demande, c'est qu'on pense un peu à lui. Je l'ai vu. Je sais qui a fait le coup. Je sais qui a fait le coup. Ah oui? Et qu'est-ce que tu as vu? Le tueur à la piqûre. Je l'ai vu piquer un clochard. Il était bien habillé et il avait une seringue, comme celle des médecins. C'est vrai, ça? Ouais, et il avait des types avec lui. Mais tu veux dire des complices? Ouais, peut-être. Ah oui, tu peux peut-être être un excellent témoin. Tu vas aider la police. Je vais te montrer des photos. Tu vas bien les regarder et dis-moi si tu reconnais quelqu'un parmi eux. Homme ou femme, hein? Regarde de très près. Donne-moi cette main, tu ne te sauveras plus. Cette fois, ça suffit, hein. Voilà, mets un doigt là-dessus. Tu devrais avoir honte de profiter lamentablement du malheur des autres. Mais je vous dis la vérité. Oui, bien sûr. Est-ce que quelqu'un peut la ramener au service des familles?
Hé, Robocop. J'ai un travail pour toi. Problème. Si elle reste dans la rue, oui. Elle aura de gros problèmes. Tu peux la ramener au service des familles? Directive 2, protéger l'innocent. Elle n'arrête pas de mentir et de se sauver. Désengager la prise. Je veux pas retourner là-bas. On m'adoptera jamais. Allons-y, petite fille. Mieux, Shaken? Oui, désolé pour cette petite réaction. C'est juste avec ses yeux qui me regardent fixement comme ça. Et puis cette scie. Je vous l'ai dit plus de 1000 fois, il est tout à fait essentiel pour l'interface du neurocerveau que le sujet soit vivant quand le cerveau est transplanté. C'est bien, clair. Docteur, mais comment il a été? La transplantation dans le réceptacle neural a été réussie, mais ça n'avait jamais posé de gros problèmes. Débarrassez-moi des viscères. Dans la décharge municipale et vous fait brûler comme les autres. En général, on n'aime pas les types comme vous. Mais vous éliminez les types qu'on déteste. Ça va dans le bon sens. Merci. C'est ce que j'aime bien dans ce boulot. L'argent peut faire oublier n'importe quel remords. Est-ce qu'on ne me croit jamais? Parce que tu mens. Mais je mens pas ce coup-ci. C'était le tueur à la piqûre. Et j'ai vu ce qu'il a fait au vieux clochard. Probabilité de vérité, 98%. Dis-moi ce que tu as vu. Enregistrement. Des types des chiens des rues. Ils tenaient le pauvre vieux pour que l'autre fasse sa piqûre. Il avait l'air mort, mais il n'était pas. Ses yeux étaient toujours vivants. Et le tueur ressemblait à quoi? Il était grand, mais pas très grand. Il était brun, je crois. Et il portait un costume. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Il a dit qu'il avait besoin de son cerveau. Pourquoi? Je sais pas, sûrement pour l'OCP. Vous me croyez pas? Si. Un bon citoyen dit toujours la vérité. Je sais. Mais si jamais, quelqu'un se fait passer pour un bon citoyen tout en mentant. Alors c'est le pire des menteurs. Alors venez, je vais vous montrer quelque chose. Écoute-moi bien, petite peste. Sois mignon. Je me contrefiche que le plafond te tombe dessus. Pour avoir l'air mignon. Tu sais ce qu'on fait avec les petites pestes? On les envoie vivre avec la bande de chiens dans les rues, mon grand. Voilà, c'est mieux. Allez, allez, ça tourne. Prenez-le bien, hein, c'est le moment. Oui, voilà, ça c'est une expression spontanée. C'est bien, c'est ce qu'on peut espérer de mieux de la part de ces petits voyous. Voilà, c'est parfait. Bon, eh bien vous allez me monter cette tête avec des bols de céréales. Et vous allez mettre les plans que nous avons reçus du Bangladesh. Comme ça, ça nous fera une superbe intro pour l'émission. Oui. Mademoiselle, il y a une femme et une mère. Son enfant a disparu. J'ai essayé de lui expliquer. Oh, écoutez, j'ai pas de temps à perdre avec des parents qui vont se mettre à pleurnicher. Et tout ça pour un enfant qui disparaît. Bon, d'accord, mais alors on fait vite. C'est ici que Fanny Lamour raconte les plus gros mensonges de la ville. Ma pauvre amie, je suis de tout cœur avec vous. Je suis inquiète pour Jimmy.
Je l'ai disputé pour des mauvaises notes et il s'est enfui. Mais j'avais espéré qu'il viendrait ici. Mais... jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai apporté une cassette vidéo que j'ai tournée à Noël. C'est un brave gamin. Et son père est mort récemment. Et il a beaucoup de mal à accepter sa nouvelle vie. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je t'aime infiniment. Allez, Jimmy, un petit sourire. Je vois vraiment pas pourquoi. Ça, c'est pour toi, papa. Je connais tous les enfants ici et je peux vous assurer qu'il n'est pas chez nous. S'il vous plaît, reconduisez cette pauvre femme au bureau central au cas où le petit se présenterait. Téléphone, mademoiselle. Maintenant, excusez-moi, mais il faut que j'aille m'occuper des enfants. Ils ont besoin de moi. Par ici, suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je parte. Quelque part, un crime se commet. Alors, ma belle, comment vont tes hormones? Oh, je t'en prie, je ne suis pas d'humeur. Je viens d'avoir une mère dont le fils est un des petits voyous que la bande des chiens des rues a recruté. Votre combine commence à m'empêcher de bien dormir. Pas t'inquiéter. Tu as des enfants qui sont trop payés pour être adoptés et j'ai besoin d'enfants qui peuvent se salir les mains à ma place. C'est du gâteau, ma petite caille. Mais mon service ne doit surtout pas être associé aux chiens des rues, s'il te plaît. Et si jamais ils partent? Oh, qui est-ce qui va croire un voyou? Réfléchis. Et tu sais comment ces bandes fonctionnent? Ou tu es avec la bande ou on t'élimine. Tu vois ce que je veux dire? Bien, je te laisse régler le problème comme tu voudras, Chip. Tu as tout compris, ma belle. Bon, et maintenant, où et quand? Chez moi, hein? Demain? Exercice sexuel? Demande gentiment. S'il te plaît, mon cœur, ma colombe, ma petite caille, mon petit amour de poche. À 12h15, chez toi. Je serai grande, je veux être comme toi, papa. Murphy, il faut que tu leur dises qui tu es. C'est un brave gamin, mais son père est mort récemment. Il a signé le formulaire en s'engageant. Légalement, il est mort. On peut faire ce qu'on veut. C'est un robot. Il n'a pas de souvenirs. Il n'a qu'un programme. Tout le monde, pourquoi faire le bien alors que les autres font le mal? Venez avec les chiens des rues pour pouvoir vraiment vous éclater. Je peux peut-être aller les voir de près. Adresse repérée, 168 rue d'Alger.
Le cortex cérébral peut aussi bien transmettre les informations et corriger ses erreurs, mais une machine est plus rapide et plus fiable qu'un cerveau humain. Alors, pourquoi ne pas savoir ce qu'il y a de mieux au monde? Un cerveau marié à un ordinateur. C'est magnifique. Oui. 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 Oui, le neurocerveau est une machine qui vit le courant et sa force vive. Autrement dit, on pourra être prêt à temps pour le début de l'expo. Je rêve de voir ma prime sur les profits. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Une chaise à imiter, conseiller scientifique à la Maison Blanche. Il faut pas être modeste, voyons. Les cités de demain vont se baser sur Delta City, donc l'homme qui contrôlera Delta City contrôlera l'avenir par le neurocerveau à ma botte, donc je peux faire ce que je veux. Je peux même vous faire nommer patron de l'OCP. Je peux tout si je veux, je peux tout. Oh, non, 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 non. Je croyais que celui-là était intelligent. Il jouait aux échecs, il ne faut pas être abruti pour y jouer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'une seule explication, Chicken. C'est un mauvais cerveau. Il était endommagé par l'angoisse ou bien peut-être l'alcool. Il n'a pas supporté le choc. Si vous n'arrivez pas à le faire fonctionner pour l'expo, ce sera notre tour d'avoir un cerveau endommagé. Ce qu'il faudrait, c'est un jeune cerveau. Un cerveau frais, un cerveau qui n'ait pas été corrompu par la vie. Excusez-moi, Monsieur Chicken, mais je viens de trouver quelque chose de grave dans le projet Impol. En fait, ils ont volé notre programme et l'ont réécrit différemment comme si c'était leur idée. Je suis désolée de vous avoir interrompu, mais je voulais que Monsieur Chicken sache. C'est pas grave, non, pas du tout. C'est... Non, non, bien sûr, non. Oh, vous voulez bien nous excuser? Juste une petite minute, s'il vous plaît. Juste une minute. Oui. Beau travail, mademoiselle. Vous méritez bien un long repos. Ça va, amenez-vous. Bon, ceux qui sont prêts à écouter le message peuvent prendre un petit sandwich avec du pain frais. Et mange ça, Murphy. Ça empeste la mort dans cet entrepôt. Je sens absolument rien. Enfin, à part peut-être de la viande fraîche. Et la viande fraîche, on peut la jeter aux chiens. Quelqu'un a brisé le pacte. Qui a brisé le pacte, grand loup? Vos parents et tous ces politiciens. Ils ont dit qu'il y en avait pour tous. Ils ont accueilli tout le monde. Ils ont remis votre avenir aux pauvres et aux minables. Ils vous ont volé. Ils ont volé votre liberté. Mais c'est terminé. À partir de maintenant, tout le monde va se réveiller et venir avec nous. Ils vont se battre avec nous. Et avec l'aide de tous, nous allons chasser la vermine des rues de cette ville. Qui veut venir avec nous? Qui veut faire respecter le nouveau pacte? On veut faire respecter le pacte! 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 Et où tu crois aller comme ça? J'ai entendu votre message et votre message est nul. Moi, je m'en vais. Si tu n'es pas avec nous, tu es mort. Messieurs, on ne panique pas et on m'écoute. Jetez les battes de baseball. Arrêtez! Arrêtez vos tirs, vous entendez? Ah.
cause de la mort? Officieusement, je dirais qu'il est mort parce que on lui a enlevé le cerveau. Vous croyez à une espèce de rite satanique ou quelque chose comme ça? Non, non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apporte généralement quand il y a ce genre de mort. C'est le travail d'un chirurgien. Un chirurgien? Oui, certainement. Le sang présente des traces de chloride de tubocurarine. C'est un agent neurologique utilisé pour paralyser les patients pour qu'ils ne bougent pas pendant une procédure chirurgicale délicate. Le labo dit que ça pouvait être là-dedans. Mais je l'ai trouvé près de l'endroit où a disparu Hank. Il avait l'air mort, mais il ne l'était pas. Ses yeux étaient toujours vivants. Qu'est-ce que vous faites là? La dernière image que le défunt a vue est souvent préservée au dos de la rétine. Ça veut dire qu'on peut peut-être identifier l'assassin, c'est ça? Et sauf si à cet instant il regardait ailleurs. Là, on n'aurait rien. Image de la rétine. Ça n'est pas très clair. Qu'est-ce que je disais? Mais elle peut être éclaircie. Génial. Je vais demander au labo d'étudier la caisse de plus près. Tout le monde a quoi pour le ce soir? Excusez-moi, pardon. Recherche dossier pour correspondance, correspondance visuelle dans dossier OCP, accès aux bases OCP. Enquête. Et c'est moi le suspect. Qui mène cette enquête? Je ne peux pas continuer pour longtemps. Oh, on a commencé depuis 8 minutes. Tu vas quand même pas m'abandonner comme ça. Oh, j'en peux plus, moi. Je m'épuise. Allez, continue. Allô, oui, j'écoute. Chicken, c'est moi, pour la petite. Calmez-vous, je ne comprends rien à ce que vous dites. Je ne comprends pas ce que je dis. C'est ça, mais respirez profondément. Oh, c'est pas vrai. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes stupide, minable, débile, taré. Vous aviez dit que tout était réglé, vous savez quoi? Robocop est sur mes traces. Robocop? Docteur, ça n'est vraiment pas un problème. Je connais la personne parfaite pour éliminer Robocop. Ça n'est pas régulier, Monsieur Chicken. Mais quel est le problème? Le transfert a été approuvé par l'OCP. Vous voulez peut-être que je téléphone à votre patron? Non, 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 ce n'est pas nécessaire, mais par simple curiosité, je veux savoir ce que les médecins envisagent de faire avec le plus redoutable criminel de tous les temps. Le grand spécialiste de la cybernétique, le docteur Malardeau, est prêt à tout faire pour le guérir. Le docteur Malardeau, en effet, est prêt à se consacrer au sauvetage de ces psychopathes qui sont nés malades. Possible qu'avec du temps, du travail et un peu plus d'affection humaine, M. Morgan puisse jouer un rôle plus convenable et plus valable, surtout pour notre communauté. Ça vous intéresse, hein, M. Morgan? Vous savez, moi, ça m'est égal parce que je suis un peu ankylosé. À une meilleure compréhension d'un cerveau criminel. J'ai toujours eu une petite allergie au champagne. Ne perdons pas de temps, tous les deux. Vous ne m'auriez pas fait sortir si vous n'aviez pas de but précis. Quelle lucidité. Je voudrais vous donner la chance de pouvoir entrer dans l'histoire avec un grand H.
comme étant celui qui a tué Robocop. Mm-hmm. Cela peut transpercer n'importe quoi. Génial. C'est une œuvre d'art, le brûlé. Je peux vous appeler le brûlé? Bien sûr, petit bouffon bouffi. Attends une petite seconde. Cré Malardo, le scientifique? Il travaille pour le CP, méfie-toi. D'après l'image rétinale, c'est la dernière personne à avoir vu la victime vivante. Très bien, j'arrive. Docteur Cray Malardo, au nom de la loi, je vous arrête. Ah, oh, mais je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez commis un meurtre. Un meurtre? Mais c'est tout à fait ridicule. Probabilité de vérité, 15%. À l'humanité. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous dans une cour de justice. Oh! Frappez pas, non! Ah, 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 non! Non, mais c'est... Mais je... Excusez-moi, monsieur, il va y avoir un assassinat. Où ça? À peu près là où vous êtes. Rendez-vous en enfer! Bien joué! Besoin urgent de soins médicaux. Système vital en panne. Ça a été long, Pito. Je commençais à m'énerver, moi. Faut pas, c'est pas bon pour le cœur. Et on débat! Voici l'heure du commandant Kaff. Davantage de vols, plus de crimes, mais où va donc cette ville? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous pourriez venir avec moi. Le commandant Kaff. Il est grand temps de sauver l'économie grâce à cela. Des cartes de crédit! Devenez un super-héros! Devenez un super-acheteur! Empressez-vous de prendre une carte de crédit à l'OCP et votre vie changera. La population de la ville a perdu un héros hier quand Robocop a été détruit au cours d'une embuscade tendue par le psychopathe William Morgan, dit le brûlé. Mais aujourd'hui, la superbe réputation de ce pourfendeur de criminels a été ternie par des accusations bien déplaisantes. Non, 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 je ne sais pas ce qu'il voulait. Il est devenu très violent. On le voit bien clairement sur la cassette vidéo que j'ai été obligé de remettre aux autorités. Nous avons pu obtenir une copie de l'enregistrement. Nous tenons à vous prévenir que ces images peuvent heurter nos jeunes téléspectateurs. Ah, 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 ah non, ah non, ah. Nous avons demandé à Monsieur Chip Chacon, vice-président de la célèbre OCP, de nous dire quelques mots. Nous tous à l'OCP, nous voulons que tout le monde essaie de ne pas oublier tous les exploits de Robocop. Il ne faudrait pas que ce déplorable petit égarement vienne ternir tout ce qu'il a pu faire. Saluons sa carrière. Repose en paix, Robocop. Charlie. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Oui. Tel qu'ils en parlent, ça vaudrait bien mieux, vous voyez. Parce que j'ai sauvé ses organes, mais ça coûtera une fortune pour le faire revivre. Et d'après ce qu'on vient de me dire, l'OCP refuse de payer. Les pancottes.
Comment ça, l'OCP refuse de payer? Cet homme a plus fait pour combattre le crime que n'importe quel inspecteur de ce pays. Qui êtes-vous? Officier Lesa Madigan, c'était mon ami et mon équipier. Ça en dit long sur le côté pitoyable de votre vie sociale, cher officier. En fait, ce n'est pas un homme, c'est une machine. Et la machine appartient à l'OCP. Alors, chère demoiselle, allez donc faire votre travail de police ailleurs. J'ai des raisons de penser que le docteur Malardo, l'homme que Robocop avait arrêté, est plus ou moins mêlé à plusieurs crimes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais c'est absurde. Le docteur Malardo est un scientifique irréprochable et intègre. D'ailleurs, c'est mon ami. Alors vous pouvez peut-être m'expliquer pourquoi le cadavre dans la morgue avait imprimé l'image de Malardo sur sa rétine? Pardon? Je ne vais jamais à la morgue. C'est dégoûtant. On dirait une fois de plus que la police s'est défoulée sur les victimes. À bientôt, Chicken. Je n'arrive pas à croire que vous ayez laissé la police retrouver le cadavre du vieux clochard. Et c'est le hasard. Mais le problème est réglé pour toujours, cette fois. Le corps est chez le médecin légiste, d'où il va disparaître. Alors, je suis sûr que nous sommes tous réunis aujourd'hui pour parler de nos expériences les plus malheureuses. Nous avons tous eu des problèmes, que ce soit au bureau ou à la maison. Mais ce jour va marquer la fin des tracas quotidiens. Un monde nouveau va bientôt prendre naissance. Et cette fois, il sera au service de son créateur. Je vous laisse découvrir Metronet. Lumière, s'il vous plaît. Toute une ville sous le contrôle d'un seul ordinateur superpuissant, j'ai nommé Metronet le neurocerveau. Il est dans son élément. Il tire profit du travail de ses employés. Quel idiot. Son manque de vision est déprimant. Il est persuadé que le neurocerveau est inventé pour contrôler les feux rouges. Laissons-lui une minute de gloire. Ce sera sa dernière. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ma secrétaire. J'ai vu son visage là-dedans. Chip Chipounet, s'il vous plaît, Chip. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Les hommes qui veulent changer le monde ne peuvent s'offrir le luxe d'avoir mauvaise conscience. C'est votre imagination? Non, c'est mon imagination. Oui. Bon! Nous allons montrer à notre super et grand président qui est le vrai patron. Ah, le numéro est fini à l'OCP. Maintenant, place au dîner, aux collations, bavardage, peut-être même quelques gestes déplacés dans le jacuzzi avec mademoiselle Whoppenhopper. Elle est pas mal, Whoppenhopper. Ce Metronet a l'air génial. On a un prototype à l'étude, mais franchement, on n'arrive pas à avancer. C'est difficile à imaginer qu'un taré comme Malardo ait réussi. Il ne comprend jamais rien à rien. Il comprend, mais il lui manque une case. Il faudrait l'interner. Cette petite remarque va te perdre. On n'apprend pas à faire ça à l'université, je parie. Assassin! Vous avez entendu? Il faudrait que je songe à arrêter de boire. On n'a plus aucune preuve. Je peux rien faire, moi.
bien que tu puisses m'aider. Entrez, mon cher Malardo. Je voulais vous remercier personnellement. Vous avez fait une belle démonstration hier. Bravo encore. Mais c'était uniquement à votre profit. Mon maître net est un grand succès. Je pensais au mauvais fonctionnement dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur? Vous avez quelque chose à voir là-dedans? Oui. Oui, j'ai même 10 000 choses à voir. J'assume tous les résultats. Voyez-vous, je contrôle le neurocerveau. Le neurocerveau contrôle Métronette. Et Métronette contrôle tout le reste. J'ai dit tout, y compris les ascenseurs. Compris? Vous voulez un signe? Oui, exactement. Oui, c'est bien. Vous comprenez vite. À partir de cette minute même, je vais contrôler le destin de Delta City. Vous avez 36 heures pour remplir tous les papiers et faire que notre arrangement soit légal. Jamais je ne permettrai à vous ou à qui que ce soit d'usurper l'autorité que j'ai eu tant de mal à maintenir. Oh. Ah oui. Oh, encore une chose. Vous feriez peut-être mieux de redescendre par les escaliers, ou ça pourrait bien être votre dernière réponse. L'ordinateur de Malardo a investi tous les systèmes de l'OCP. Il nous empêche d'accéder à nos fichiers. Et il a donc le contrôle de toute la compagnie. Et quelles options nous reste-t-il? Je voudrais bien le savoir. Si on fait venir la police, il faudra tout fermer. Ah, intéressant. Ça veut dire qu'il faudrait affronter les actionnaires. J'espère que ces messieurs apprécient le premier jour de ma nouvelle direction. Moi, oui. Je vous assure que si vous n'acceptez pas mes exigences, demain, ça deviendra pire. Pire encore. Il y a forcément un moyen d'éliminer ce fou. Et que personne n'utilise cet ascenseur. Bien. Voyons comment l'OCP va fonctionner sans ses cadres supérieurs. Son nom, c'est désagréable. C'est fantastique. Votre cerveau est là-dedans. Et vous, si je peux encore dire vous, parce que je ne sais pas, je ne sais vraiment pas dire. Enfin, vous êtes déporté parce que vous effectuez des milliers de tâches simultanément dans toute la ville. Et quel genre de tâches? Ah, vous contrôlez le métro et les hôpitaux, vous traitez l'eau potable ou l'électricité, ou bien encore les aéroports, enfin, tout ce qui existe, quoi. C'est moi qui contrôle la ville? Oui. Chouette, je savais que j'étais capable de réussir. D'accord. Si mon cerveau est là-dedans, où est le reste de mon corps? Oh, eh bien, c'est-à-dire que... Enfin, vous voyez, sans cerveau, votre cadavre n'était pas très utile, alors on a tenté de... En fait, de le faire disparaître. Vous êtes malade? Non, pas trop, je crois. C'était un corps superbe. Aucune ride, aucune vergeture, aucune trace de cellulite. Vous savez combien de régimes j'ai suivi? J'ai sauté des repas pendant des années. Quand je sortirai de là, je vous étranglerai! Heureusement pour moi, vous ne sortirez jamais. Du moins, pas vivante.
Je vais tout casser si vous ne me laissez pas partir. Vous imaginez ce qui arrivera si vous sortez, vous provoquerez des pannes dans tous les coins, il y aura des accidents partout. Il faut penser à tous ces pauvres et adorables petits bébés dans les hôpitaux qui mourraient en cas de panne de courant. Des bébés? Tous ces gentils petits bébés. Vous dites n'importe quoi. Bon, bon, fouillez dans vos neurones si vous ne me croyez pas. Vous avez raison. Il y a actuellement 35 enfants dans un état grave admis dans 16 hôpitaux. Et ils dépendent totalement de vous. Je ne veux pas vous écouter plus longtemps. Je n'ai jamais demandé ce genre de responsabilité. Mon pauvre petit bébé. Vous avez plus de pouvoir que n'importe quelle femme ayant vécu et vous aimeriez redevenir une simple secrétaire. Vous ne connaissez pas votre chance. Il faut que je te parle. Il y a quelque chose de bizarre dans l'affaire du tueur à la pitié. Ah bon ? Enfin, pourquoi tu cherches les problèmes ? On t'a donné l'ordre de laisser tomber. Non, attends, écoute-moi une seconde. Robocop m'a dit qu'il avait une preuve que Cray Malardo était mêlé à ces meurtres. Et l'autre jour, je suis tombée sur ce petit minable qui s'appelle Chicken et qui s'est affolé quand j'ai parlé de Malardo. Eh bien, je crois que ça explique tout ça. C'est quoi ? On dirait que tu as vexé une huile de l'OCP. Non, c'est pas vrai, à la circulation, mais je viens de réussir mes examens de détective. Mais tu as été nul en diplomatie. Il faut respecter le protocole, les voies hiérarchiques, jamais montrer au patron que tu es plus malin que lui. Tu parles. Police, j'écoute. Sergent Burt! Sergent Burt, j'appelle pour un meurtre. J'espère que c'est pas celle à laquelle je pense. Fanny Lamour dit qu'elle prend soin des enfants. Mais elle les envoie aux chiens des rues. C'est un mensonge en premier degré. Entre spécialistes, vous vous êtes reconnue? Je ne mens plus jamais, moi. Je suis une bonne citoyenne, jurée. Hé, hey, lâche-moi ce téléphone. Je voudrais bien pouvoir t'aider, ma grande. Retourne avec tes autres enfants et regarde la télévision comme tout le monde. Il faut comprendre les grandes questions de notre temps. Des paras qui posent nus pour des œuvres de charité. Le ministre dit non. Mais qu'en pensez-vous? À quoi pensez-vous quand vous voyez cela? Appelez-nous, n'hésitez pas. Non, je suis désolée d'entrer chez vous comme ça, mais je suis l'officier Lisa Madigan et je suis une amie de Robocop. Venez avec nous. Non, non, attendez, la police est toujours la bienvenue dans nos vénérables campagnes. Qu'est-ce que je peux faire pour Robocop détenait une preuve qui a incriminé le docteur Malardo et les chiens des rues dans cette affaire. Il faut le réparer, sinon on ne l'arrêtera jamais. Un criminel? Peut-il duper sans problème une grande compagnie? Non, ça ne serait pas légal. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? L'OCP va assister les services de police pour poursuivre leur enquête sur le docteur Malardo. Mais pour assurer la sécurité complète des employés de l'OCP, je crois qu'il est prudent de laisser croire à Malardo qu'il a gagné la partie. Docteur, on a de super problèmes. Pas maintenant. Non, 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 c'est pas très important. Non, c'est va être complètement non, ce n'est pas monté. Possible. Non, vous je vous n'ai pas mettez pas à trouver un moyen. J'ai l'affaire. Je ne pense pas que ce soit. Elle ne doit pas pouvoir nous entendre là-dedans. Qui? Votre ancienne secrétaire, c'est elle. Diane Powers? Elle est morte! Pas exactement. Oui, c'est exactement. Les portes de la science sont impénétrables. Nous avons affaire à une nouvelle forme d'intelligence. Un mélange tout à fait grandiose de l'homme et de la machine. C'est miraculeux. Il faut la tuer.
tuer. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais avec précaution. Il faut qu'on extermine le fantôme dans la machine sans endommager l'interface du neurocerveau. Comment allez-vous faire ? Oh non ! Je ne sais pas, le tableau de bord est bloqué. Il faut que je change le filtre pulmonaire. Je n'ai pas récupéré les nouvelles pièces. Elles sont de Made in Taiwan. Et il y a un programme aussi. Vous pouvez réparer ? Oui, avec un peu de chance. Je pense qu'on peut. Oui. Hein? Alors, allez-y. Hey, vous avez entendu le patron ? Allez-y, Ben. Il a passé un sale moment, hein. Mais il n'a pas mauvaise mine, finalement, pour un surgelé. Qu'est-ce que vous en pensez? Et maintenant, il lui faut un cycle de sommeil. Oui, vous aussi. Ah oui, oui, tiens. Et... Nous sommes tous à vos côtés. Nous comptons sur vous pour sauver la ville. Et voilà. Comment va mon bonhomme? Si j'ai bien compris, vous détenez des informations qui pourraient être très précieuses. Elles pourraient même entraîner l'inculpation du docteur Malarteau. Et ça vaut son pesant d'or. On va voir ce que 50 millions de gausses font à votre cerveau. Attention les yeux. Je me gonfle. Allez, mais... C'est fantastique. Combien de temps après la déposition pouvez-vous arrêter Malarteau ? Nous avons un juge qui attend pour signer le mandat et une équipe de détectives prête à intervenir, on est prêts. Très bien, ne perdez pas de temps, pleine puissance. Il est réveillé. Sally, comment dites-vous ça ? Erreur 27. Vérifier système. Erreur. Erreur. Ça ne va pas ? Qui êtes-vous ? Lippincott. Erreur 27. Erreur 12. Je viens de confier ma compagnie à un vrai démon. Parce que vous m'aviez affirmé que Robocop pouvait l'incriminer. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'il a un problème de dégénération. Ça vous ennuierait de traduire Lippincott? Il est amnésique, voilà. Je suis ruiné. Quel est mon nom? Un assassin va s'en sortir et nous, on ne fait rien. Mais on n'a pas de témoins, on n'a pas de pièces à conviction. Aucun juge ne délivrera de mandat contre Malarteau. Alors, on va créer un dossier. J'ai vu un gamin là-bas où j'ai trouvé le corps de Hank. Il parlait de je ne sais quel marchandage avec le CP. Mais va chez les chiens de rue. La petite gadget m'a raconté une histoire stupide à propos d'un cadre supérieur qui se balade une seringue à la main. Mais c'est peut-être pas si stupide. Il y avait un produit dans le morceau que j'ai trouvé et qui n'est accessible en fait que par les médecins. Malarteau. Mais pourquoi il tuerait des pauvres SDF dans les vieux quartiers? Et si on peut répondre à cette question, tout s'expliquera très vite. Bon, je vais faire une petite visite au service des familles pour bavarder avec une orpheline. Bonne idée. J'ai réussi à accrocher 3 de ces voyous hier. Et je vais parcourir les rues avec mon scanner. Avec un peu de chance, je vais la trouver. Vous avez entendu, ouvrez cette porte. J'ai conçu un virus pour dégager ce neurocerveau. Il va y avoir malheureusement des petits effets secondaires, quelques défaillances dans les systèmes électriques et puis peut-être des pannes générales. Ça peut être dangereux. Combien de temps ça va durer? Oh, ça dépend du nombre de cyberespaces qu'elle occupe. Écoutez-moi bien.
y a des chances pour que mes ennemis de l'OCP et les services de police profitent du chaos provoqué par la panne pour lancer une attaque contre moi. Il n'y a pas de raison. Robocop a grillé. Vous avez gagné. Je demande une protection. Donc, lors de votre dernier projet, faisons cuire les lasagnes, vous vous êtes élevé contre la violence, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? On sent cet endroit est lugubre. J'ai voulu apporter une touche différente à la violence telle qu'elle est décrite. J'ai trouvé la fille en question, Gadget. Mais elle n'a que 8 ans et elle dort depuis longtemps, évidemment. Alors je vous demanderai de repasser demain matin. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais c'est pas vrai. Mais je n'ai pas encore terminé, voyons. Certo, j'ai une très grande histoire pour... D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je crois que je sais où ma petite protégée a appris à mentir. Affaire à régler avec monsieur. Mais bien sûr. Bonjour. On ne se connaît pas vraiment et c'est une étrange façon de se revoir, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses en commun. Il y a vraiment un problème. Laissez-moi voir ça. Voilà le problème. Je me rappelle. Je travaille pour l'administration. Le même homme qui essaie de vous tuer voudrait m'achever. Venez aussi vite que vous le pouvez. Une petite seconde, parlez-moi de Malardo. Malardo est recherché pour meurtre. Vous avez entendu? Il s'est passé quelque chose? Mais bien sûr. Bien sûr. C'est la brûlée. Il s'occupe de tout. Eh, je sais pas qui c'est, celui-là. Il fait de la politique. Il sait pourquoi on veut se battre. Tu fais ce que je te dis, ou je te tue. Est-ce que c'est suffisamment clair, Une minute. Ces types sont des malades. Ils ne savent pas qu'ils sont fichus. Ils se croient costauds, mais ce ne sont que des débiles. Est-ce qu'il faut que je continue? Ne t'inquiète pas pour ça. Ils vont servir ta part. Et tu vas être l'hameçon. Tu vas avoir ce qu'il y a de mieux comme matériel avec ça. C'est comme si tu avais constitué une véritable armée. Allez, viens, tu vas voir. Une minute. Très bien, je vous aime bien, vous tous. Oui, ah oui, beaucoup. Je me contrefiche de ce que vous ferez. Personne ne doit passer par ici. Est-ce que c'est clair? Oui. Bonne chasse. Dépêchons, s'il vous plaît. On perd pas son temps. Zéro. Ouais. Ouais, c'est un serpent. Il pourrait nous lâcher les baskets. Ça suffit. Jetez vos armes et mettez-vous à plat ventre. Dépêchons, allez. Je le répéterai pas. Ta main. Arrêtez, vous me faites mal, là.
Toi, tu la boucles. Contrôle, envoie un porte-à-père à Hetzel et à Nader. Vignette numéro 6684, officier Manigan. Incident chien de rue. 6 mars, 22h16. Alors, raconte pourquoi il t'en voulait. Je sais pas, peut-être parce que j'ai refusé de les suivre. Comment tu t'appelles, mon grand ? Jimmy. Jimmy Murphy. Je te connais. Ton père était dans la police, Alex Murphy. Ouais, mais il a été tué. Ça a fait mal à ma pauvre mère. Oui, je la connais aussi. C'est Nancy. Je me demande ce que dirait ton père s'il voyait que tu fréquentes cette bande. Mais je suis pas avec eux. Je suis allée au service des familles parce que je voulais plus habiter avec ma mère et un des conseillers a dit que j'étais bon pour aller avec cette bande. Bon, écoute. Il faut que tu viennes au poste et que tu parles au sergent. Vous allez me mettre en prison ? Non. Pas si tu as un autre endroit où coucher. Rien de lancer une décharge, c'est bien trop tard pour ça. Dire qu'un homme travaille toute sa vie pour s'élever au-dessus du chaos de l'univers et créer quelque chose de vraiment magnifique, et une femme est capable de tout démolir en 3 secondes. En fait, ce petit virus utilise un nombre transcendantal pour effacer une entité non essentielle. Et l'entité, c'est vous. Pour venir me chercher. Ça prouve que vous m'aimez bien. Oui. Peut-être même que je vais m'apitoyer. Bêta 10, code 1, allô ? Bêta 10, je vous écoute. On a un problème sérieux. Grosse panne électrique avec possibilité d'expansion. Bêta 10, s'il veut marcher et parler, je le veux en uniforme et dans la rue tout de suite. Entendu. Gentiment, où tu vas avoir un petit problème. Je vais le démolir! Descendez-le! Allez!
parole, mon grand. Ça doit être assez douloureux, ma toute belle. Exploser. Au nom de la loi, je t'arrête, Morgane. Alors là, tu rêves, robot. Je fais te découper, bonhomme, comme si tu étais une boîte de conserve. Tu restes dans la voiture. Ouais. Et tu me fais plaisir. J'appelle ta mère. Bon, à moi de jouer. Vous avez le droit de garder le silence. Oh, sans bruit avec ton char, tu devrais être mort. Bon, en attendant, toi, t'es vivant. Allez, hop. Allez. Docteur, c'est Robocop. Il vient vous chercher. Surchargé. Au secours. Qu'elle a tout gâché pour la faire disparaître très vite tout de suite. Il faut sortir l'élément humain de cette machine. Ah oh.
elle n'est plus là. Je l'ai tuée. J'ai dû la tuer deux fois, mais... Cette fois, ça y est, j'ai réussi. Je l'ai tuée. Au nom de la loi, je vous arrête. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Oh non. Trop, c'est trop. Elle est revenue. Dommage que vous n'ayez pas été là quand je vivais encore. Et je peux vous aider, madame. Hein? Excusez-moi, il faut que j'arrête Malardo. Rassurez-vous, il n'ira pas loin. Contrôle ascenseur. Tout va bien? Oui, ne t'inquiète pas. Hé, ne tirez pas! Chip check un OCP. Est-ce que je suis content de vous voir? Ça, c'est le débile dont je t'ai parlé, l'ami de Malardo. Oui, je crois qu'on l'a bien roulé. Heureusement que Robocop est arrivé. Il ne risque plus de vous ennuyer maintenant. C'est lui! Qui ça, lui? Le tueur à la seringue, bien sûr. Et je ne vois pas de quoi elle parle. Mais elle ment bien. C'est lui qui a fait la piqûre au vieux Hank. Là, je suis sûr qu'elle dit la vérité. Maligan, à toi de jouer. Avec plaisir. Au nom de la loi, je vous arrête. Attention, que personne ne bouge, ou elle y a droit. Écoutez-moi bien, tous. Je vais à l'aéroport, et je vais prendre un avion. Ça suffit. Désolé, mais moi je m'en vais. Poussez le petit tard. Robocop. Je ne plaisante pas. N'approchez pas ou bien je vais la transformer en statue. Papa se fâche, c'est pour ça. Oh. Oh, oh, c'est pas vrai. Non, arrêtez. Faut me protéger de la fille. Elle est partout. Elle contrôle tout, je vous jure. Au secours. Et je peux vous assurer que l'OCP n'a rien à voir avec toutes ces malversations si déplaisantes. Et nous pensons que M. Shaken a dû craquer. Protégez-moi, s'il vous plaît. Faites ce que vous voulez. Protégez-moi, fermez-moi, faites ce que vous voulez. Pitié. Non. Ah non. Oh, non. Ne me laissez pas. Non. C'est triste. Vraiment, un cerveau criminel. Ce doit être la culpabilité qui l'a fait sombrer dans ce drame. Je le suppose. Bien. Excusez-moi, j'ai une compagnie à diriger. Casque, s'il vous plaît. Bien. Je crois que le moment est venu de retourner vivre dans ton sang. Non, je déteste cette maison. Bon, eh bien, je pense que ça veut dire que quelqu'un va devoir t'adopter, n'est-ce pas? Allez, viens, on y va. Mais il est sûrement là et m'a téléphoné. J'en regrette, madame, mais vous... Écoutez, c'est pas par ici. Madigan, laissez-la passer. Et est-ce que tu as vu Jimmy? T'inquiète pas, ça va très bien. Il est dans la voiture. Oh, Jimmy. Oh, est-ce que tu as pu me faire peur, mon chéri? T'inquiète pas, maman, ça va aller.
On va rentrer à la maison. Et maintenant, Murphy? Non. Jimmy a besoin d'un père et elle d'un mari. Et je ne peux pas l'être. C'est ta famille, voyons. Oui. Et je peux les protéger. Je veux bien rentrer, tu sais. Oh, bien sûr, tout va s'arranger. Quelle horreur! Mais pourquoi vous m'avez donné son cerveau? Vous ne pouviez pas plutôt me débarrasser de la boîte de conserve ambulante? Dans le poste central de la police, a eu lieu la remise des médailles à ceux qui ont réussi à sauver la ville d'un véritable désastre. On a en particulier félicité la nouvelle détective. Bonjour à vous tous. Penser que cette affiche pouvait cacher un drame monstrueux alors que cela devait être un vrai paradis... Une bonne idée qui avait fini par basculer, uniquement par la faute de son administratrice Fanny Lamour. À la suite de cet incident, l'OCP, qui avait été à l'origine de ce service des familles, a annoncé que Fanny Lamour avait donné sa démission ce matin même. On imagine qu'elle n'avait pas trop le choix. Et pour finir, l'ordre et le calme semblent être revenus sur notre ville après que nous ayons vécu des incidents particulièrement inquiétants. Le maire de la ville s'y reprendra à plusieurs fois maintenant avant de faire trop confiance à des ordinateurs qu'il n'est pas capable de maîtriser. La machine ne remplacera jamais l'homme.